répondre à une inquiétude encore, dans votre problème, en pire information. Professeur Daniel, vous avez la parole. Bon, bonjour tout le monde, en Zoom non, et en salle. Bon, généralement, je suis professeur, mais je ne suis pas avec carrière, professeur. Donc, disons que oui, j'ai un peu d'expérience dans le travail et développement à l'IT. Je vais profiter pour saluer Paul La Tortue, qui c'est une de mes premières interventions. Dakar est vraiment. Effective dans le domaine d'aide en Haïti. Si vous voulez appeler ça, vous n'avez pas parlé de ça. Mais nous avons fait une intervention là, donc une possibilité d'échange avec vous. Je vais essayer simplement d'écrire un cadre côté moi, comment l'intervention est capable de faire. Et puis après, nous allons échanger sur comment pratiquement vous allez réaliser. Bon, expérience, moi, bon, je suis capable de dire, c'est au moins depuis 1973, je travaille là, fait des activités pour promouvoir le développement en Haïti. Ça, me constater, c'est qu'il faut que nous considérions deux ou trois points de vue de base fondamentaux. Premier point, je suis dit, c'est que nous n'avons pas réalisé toujours l'environnement. D'accord, sociopolitique que nous avons en Haïti hein, par rapport à reste fonctionnement dans le monde. C'est aussi surtout, tout le monde, c'est solution Haïti, c'est solution politique, c'est politicien qui mettent d'accord, c'est politicien qui décide qui ça va faire. Bon, moi, personnellement, je ne pas quoi là-dedans, parce que politiciens, sont les gens qui vont gérer l'État haïtien, et très peu de côté, moi, je crois que ces politiciens qui ont une orientation économique de développement au pays. C'est une société civile qui va se séparer entre société d'affaires et organismes de développement. Et puis, citoyen normal, il n'est même pas vraiment voulu entrer dans ça. Et donc, le quitter l'autre, décider pour lui. Donc, ça, c'est un problème pour moi, ça me un problème de citoyenneté. Il faut que mon citoyen normal, comprendre qui rôle il y a dans le pays hein, et que ce n'est pas simplement un rôle de bénéficier de ça, mon le faire, mais il y a un rôle pour supporter les gens qui veulent organiser le pays en boulot. Donc, il y a une action citoyenne. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, effectivement, nous n'avons pas besoin d'avoir une unité totale de tout le monde dans le pays hein, pour tout ça. Il ben, faut que nous conscients que pour avoir des différences de point de vue, il y a éventuellement de légères divergences, mais nous pas qu'à mener jusqu'à ce que c'est des confrontations tout le temps et que c'est ou bien l'une ou bien l'autre. Faut que nous apprenions, pour nous connaître, faut que nous arrivions à des compromis, pas faire compromission, faut que nous arrivions à des compromis pour nous faire ça relais gagnant-gagnant, c'est-à-dire tout le monde. Bon, il n'y a pas qu'à gagner tout davantage, il devait gagner un, mais il y a un peu davantage et l'autre n'a pas. C'est toute perte pour gagner, mais pas gagner un peu avantage. Donc, je pense que ça, c'est un état d'esprit, nous, pour l'entrée. C'est une façon de voir, nous, pour l'entrée. Bon, une fois nous venons faire ça, il y a effectivement, nous connaissons les gérants au pays, pour gagner une quantité de domaines qui va faire, une quantité de monde qui va gagner des compétences différentes, une quantité de monde qui va gagner des points de vue sur lui. Donc, il faut que nous gagnions une vision globale commune avec tout compromis et tout. Si vous avez compromis parfait pour que tout le monde d'accord, ok, nous avons un élément commun que tout le monde nous d'accord, c'est la bonne vie. Donc, ça, c'est le premier aspect très général de gens qui réfléchissent. Deuxième aspect, c'est que nous avons des systèmes mondiaux économiques. Donc, nous n'avons pas qu'à que nous pouvons nous envisager le développement Haïti. Seulement lié à la culture, nous seulement lié à la tradition, nous seulement lié à ça que nous avons fait et que nous avons besoin d'occuper le reste du monde. Le reste du monde, là, nous avons besoin. Bon, 90% de bail nous servent en Haïti, c'est importé, n'importe où. Donc, il faut qu'on comment le monde extérieur haïtien fonctionne pour qu'il fonctionne avec les gens le voulaient, les gens le demandaient, et ou même on va faire ajustement avec lui, on va faire une négociation avec eux. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Là, soit on va le faire pour Haïti. Deuxièmement, il faut qu'on ait que Haïti parle au même niveau avec le reste du monde.
Il y a l'autre Oui, culture. Et pour moi, c'est le plus gros problème diaspora rencontré l'élève de faire en Haïti. Il concevoir un bagage, le cadre hôtelier à l'extérieur, là. Et il vit dans une position tant pour étranger pur, c'est-à-dire il vit en très métier en Haïti. Il parfait adaptation de sa loi avec sa café en Haïti en fonction de culture en haïtien, mais en fonction de la situation réelle haïtienne. Et des fois, on parle à mon lit, on ne veut pas faire ça, mais il faut gouvernement. Où qu'on est le gouvernement, pas capable, où qu'on est le beaucoup, pour être capable, où qu'on est le beaucoup, il doit pas dire, il doit pas dire. Donc, comment bagarrer ça pour besoin haïtien et sans petit j'enlève et rejoindre l'intervention Wilfried dans cette affaire. C'est-à-dire, Will dit même à mon là, l'intervention du gouvernement central pas intervenu. OK, où il y a, gouvernement central pas intervenu, aucun problème là. Qui ça, ou même localement, ou pas le faire. Et qui ça, ou même nous, groupe, communauté locale, ça, qui compte ça, le vrai, qui est capable de mettre ensemble, qui est capable de dire, mais qui j'en oublie, pour pas être passé, comment nous pourrons le faire, et comment diaspora, nous, qui l'autre bord, pourra aider nous faire, aider nous faire, gens pour aider nous faire l'autre bord, parce que l'autre bord, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous pas la même structure. Et donc, c'est point de vue, ça. D'après moi, pour nous bien maîtriser, bien comprendre, et que c'est comme ça pour nous interagir avec toute l'autre organisation de gagnants. C'est pour ça, ICC, en tout cas, qu'on est existé. Et lui, peut-être, c'est notre travail pour le faire, c'est contacter l'autre organisation qui fait ça. Nous travaillons avec eux. Nous comprenons les ressources nous gagnons, mais les ressources sont limitées. Mais nous mettons en commun. Il y a toute une série de bagailles. Que faut que nous mettions ensemble pour faire, nous pas capable chaque monde voulait vous servir, monter, vous compter, pour le prendre à faire, pour faire ça, le vrai, agent, le vrai, à côté, le vrai, et que l'autre monde n'y va pas comme ça. Donc, ça, c'est le cadre général de j'aime t'en nous discuter. Maintenant, l'autre point de vue très particulier que moi, je voulais gérer, que je voulais faire, et que ma PC pour nous voir depuis quelques temps, parce que expérience, mais depuis 73, mais dit, nous m'a fait, moi, je ne vais pas jamais avoir les résultats corrects. C'est que une notion nous pas gagner tout c'est une notion planification et gestion. Tout bagaille, qu'on passe le politique, qu'on passe le social, qu'on passe le culturel, qu'on passe le religieux, qu'on passe tout ça, vous voulez, il y a un dénominateur commun, c'est économique, financier. Et économique et financier, ou bien pour planifier et pour gérer, même gens avec autant d'importance. Que opérationnel. Pour côté manger, bah, moun pou faire un cadeau, sou pa gen kòp ou pa ka achete manje a, sou pa gen kòp ou pa ka pote manje a, sou pa gen kòp ou pa ka distribuye manje. Donc, pou gen problème financier et économique qui pose quand même. Deuxièmement, ou te met gen manje a, ou te met gen kòp lan, sou pa planifié et organisé, bonjour l'an gen lo, c'est gaspillé, gaspillé, c'est jeté, ou jeté, le moun ou devle balian, c'est pas la privé, je m'en dis pas l'autre problème. Donc, pour qu'on organise à planifier. Et deux éléments, ça, et bien, nous allons discuter et rencontrer ça pour que nous voyons comment nous allons mettre en application dans ça nous voulons faire et dans ça nous qu'à faire. Okay? Parce que toute raison pour un échec, tout ça que nous avons pas échec, c'est parce que nous n'avons pas organisé, nous n'avons pas planifié et nous n'avons pas géré financièrement ça. C'est, vous voyez monter, j'en arrive, arrive, j'en passe, passe, j'en viens, ma pour se voir, ça m'a fait, m'a fait. Mais pas qu'à fonctionner comme ça, nous pas priver aucun côté. Bon. Une fois, nous posons bazar, nous commençons l'interaction et là, nous avons plus de détails de chaque élément. Et éventuellement, pour lancer, nous avons rappelé avec Paul Latortue, une première intervention, nous avons fait en 86, toute bagaille. Pas marché, les BND a y fermé, les toutes structures qui étaient en Haïti, on dit, les pas un corps pour bailler 40 000 dollars pour 400 paysans capables de faire une campagne de quoi Congo, la Tibonite, heureusement, on tombe sous même la Tibonite, là, que c'est Paul, avec moi-même qui était la Fondation haïtienne de développement, qui décide que nous cherchons un corps que nous prenons à l'encontre de volonté. Organisation internationale qui a financé nous, USAID, pour nous faire financement ça. Donc, ça, c'est pourquoi c'est nous-mêmes, société civile,
qui pour décider et qui pour prendre en main ça nous voulons faire et qui est bon pour chaque côté nous. D'accord. Donc, à partir de là, nous avons commencé interaction, question et puis réponse. Et vous t'aimez, et normalement, après que M. Gosford fait une présentation, ça très cool. Vous t'aimez, Paul, et rapidement fait un petit résumé de l'expérience avant nous rentrer dans le débat pour tout le monde d'avoir posé. Paul, s'il vous plaît. OK, d'accord. Bah, Merci, Jean-Robert. Jean-Robert. Tant Allez-y, bon. OK. OK, et tout d'abord, merci, Jean-Robert. Et m'a salué Daniel Godefroy. Nous songeons à ça autant qu'aujourd'hui. Et salut Fanfan. Il y a quelques temps, nous parlons, mais Fafa avec nous, nous passons un peu de temps à l'école Saint-Martial. Et tu es bien content de référer Jean-Robert et Orival by Fanfan. Et tu as décidé que c'est Montréal qui devait aller. Et moi, tout le monde a passé très bien. D'ailleurs, féliciter nous toutes. Merci beaucoup. Et pendant que m'attendais, nous, je prends un compte. Même si nous parlons depuis longtemps, nous prenons en compte les liens qui nous unissent en termes de pensée. M'attendais ça enfin dire, et cette vision à long terme, bagaille qui pour et continuer génération après génération, l'esprit du bâtisseur que le décrit là. Ouais, mais essayer de faire ça tout, c'est pas tout que nous réussissons à faire, mais nous quimbé là-dedans, nous faisons ça nous qu'à faire. Et pour expliquer Ticasse plus à Daniel Sotra-Conteya, c'était en novembre 1986. Et Benda, il peut pas faire maintenant, Benda était là toujours, mais une décision gouvernement militaire là, pour yon pas financer campagne poids dans la basse plaine de Gonaïve. C'est pas de poids Congo, c'était poids rouge, poids rouge. Et causer poids ça, l'important, et parce que non pays côté moun bagen kob pour acheter viande, c'est poids qui va protéines. Ça c'est une. Oui, Deuxièmement, poids rouge a toujours fait bon prix, spécialement pour raison ça. Donc, le paysan qui est en position en plaine pour planter pois durant l'hiver, s'il n'est pas capable de faire, et c'est plus belle récolte là, il n'est pas capable de faire. Or, il a besoin de crédit parce qu'il faut y acheter et bagaille pour le planter, il faut y acheter deux, trois autres bagailles, deux, trois autres intrants qui sont nécessaires, etc., etc. L'infini. Le gouvernement militaire a décidé de ne pas payer, de ne pas prêter au COB, parce que d'ordinaire, Benda était qu'on prêtait paysan Gonaïvio et COB là. Ce n'est pas tellement parce qu'ils reconnaissent l'importance pour eux, non? Non. Ils ont besoin d'induits paysans pour continuer à produire coton. Parce que c'est coton qui intéresse eux, parce que Benda était une filature dans Gonaïve, là, ça. Voilà. Donc, là, dit. C'est qu'on a qui est levé contre Duvalier, n'a pas le punir, nous pas prêter au cobre. Et moi-même, là, ça, m'étais fait sortir Porto Rico, là, m'a vivre comme maman, m'a regardé, m'a cherché qu'on est, qui ça nous a fait pour aider dans la construction, ça doit être fait dans l'économie zone. Et c'est ainsi qu'un groupe de paysans, vaudouisants, et vin parler avec moi. Les finis, ils ont dit, moi, mon cher, si tu as fait nous joindre l'argent prêté pour nous faire campagne pour toi, c'est plus gros bagaille que tu as fait pour nous. Et c'est ainsi que nous venons rentrer en contact avec d'anciens amis qui nous ont été à l'école ensemble. Et Daniel fait partie de l'organisation hein, qui était gagné l'argent USAID dans main, qui pas de vrai que vous prêtez nous comme là. Bon. Et groupe l'a prêté nous 40 000 $. Exactement, Jean-Dany Diaz, c'est 40 000 $ l'été.
Et nous-mêmes, nous montons une petite organisation Gonaïve, une petite ONG sous les réseaux comme ça. Nous essayons d'introduire légalement. Le gouvernement n'a pas accepté, mais nous faisons quand même. Et nous prêter et nous chita avec paysans. Nous cherchons qu'on ait combat yoye, combien de cob qui pour prêter par demi-carreau de terre, parce que en réalité, parmi paysans dans la zone, c'est sous moitié carreau qui a fonctionné. Donc, nous faisons calcul, nous, et bien, yo, les filles nous décident, nous faisons bagaille là, nous prêtons. Grand pile monde qui te comprennent que son argent a perdu, que paysan n'a pas pour remettre cob là. Mon cher, 100% paysan remettre cob là. Et parce que l'on plantait au plus tard pour planter, lui, c'est moitié, vers le 15 décembre, c'est plus tard qu'on a planté. Mais on commençait à récolter depuis fin février et fin mars, récolte la finie. Donc, la récolte finie, mois d'avril, ils remettent nos cob là parce qu'ils étaient en vente. Et moi, fin avril, début mai, nous allons remettre l'argent que nous avons prêté dans mes groupes pour Port-au-Prince. L'homme paraît avec l'argent pour le remettre. Premier monde qui saisit, c'est même le groupe Port-au-Prince qui va te mettre dans tête que là, t'as fait quoi ça? Me dit, bah, écoutez, premièrement, parce que paysan, les prêté l'argent dans mes notaires, ils prêté tête nègre. C'est-à-dire que taux d'intérêt est impossible. Nous-mêmes, nous avons prêté à 12%. Moi, je me dis quoi, 12% était trop élevé. Mais les maps, ouais, 12% là. Nous avons trouvé que c'était trop élevé. En réalité, dans l'agriculture, 12% là, trop élevé. Mais l'on comparait avec ça que tu as fait sur le terrain, c'était 12% par mois. Tu n'as pas le payer au canotaire si tu as le prêté l'argent canotaire. Donc, pour paysans, c'est ton ben. Ils ont profité de la situation. Ils ont produit. Ils ont vendu. Ils remettent cob, nous-mêmes, nous ramassons cob, nous allons remettre organisme de développement qui était dans Port-au-Prince. Donc, c'est un succès. Bien content que bah, ça ait passé bien. Et m'a dit, nous, peut-être, Daniel, parti sur pas qu'on est ni, mais à partir de l'expérience, ça, et groupe noir vient attirer l'attention FAO, qui le ça, te voulait poser nos questions, est-ce que ça nous fait, dans basse plaine Gonaïve là, nous capables de répéter li, et dans la vallée de l'Artibonite. Et spécialement au niveau de la petite rivière de l'Artibonite et au niveau de Verrette. Parce que là, ce n'est pas une question de 2000 carottes seulement. Il y a beaucoup plus de terre. Et ce n'est pas seulement poids, c'est aussi le riz. Pois a fait dans 2-3 mois, mais du riz a pratiqué à plus tain, etc., etc. Moi, je nous montons un bagage qui était, nous réussissons à faire très bien. Bagage qui vient courir avec nous, c'est le coup d'État de septembre 91 contre Aristide. Parce que là, vraiment, ça sent l'autre cause encore. Le coup d'État au gouvernement qui a tombé, l'argent qu'on prête aux paysans, paysans mettent en tête que l'argent s'est effacé. Parce que le coup d'État. Il faut nous connaître que partie négative, ça existe et tout. Il faut que nous travaillions pour nous, pour bailler ça, pas reproduit. Et c'est une bagaille qui tombait causé. En plus de ça, que pendant 3 ou 4 ans de coup d'État, nous pas capables de rentrer en Haïti, nous pas capables de faire suivi causé. Donc, qui fait que, ben, y a pas de gens qui reprennent encore, mais m'a besoin de bagaille. M'a regardé la vie, l'histoire de ma vie. Si bagaille ça, t'es capable de continuer. Et, Dani, je dis, près de 40 ans après, si mouvement ça que nous créons, t'es capable de venir, je dis, un plus gros effort de financement agricole dans le pays d'Haïti, parce que nous sommes sur un terrain qui était bon, nous sommes dans une zone qui a produit agricole, et nous sommes avec un seul de gens qui n'ont pas sorti pour te voler l'argent. Mais
malheureusement, Bayo vient bloquer avec coup d'État, son l'autre opportunité ratée dans un certain sens. Mais dans l'autre sens, les bonnes opportunités, tout, à partir de 94, 95, personnellement, de 95 à 2001, de prendre et contrôle, oui, son organisme d'État qui te répond à Premier ministre là, et qui te financé par BID et par Banque mondiale, pour nous te financer et le court terme après Pardon. et comment dit-on ça, et coup d'État. C'était l'UCG, c'est une belle expérience, et moi l'utiliser comme connaissance qu'on a acquérie dans la gestion de l'UCG pour me parler demain, je m'en vais me parler de la gestion du court terme non gouvernement de transition. Bagay m'pral di nou demè, se bagay ke m'aprenn, m'aprenn nan liv, m'aprenn nan koman ou moun fè la jestyon du kou term nan situasyon de transisyon. A ne pa konfondre avèk la jestyon ekonomik de la long durè. M'pral fè e diferans la pou nou, e nap komprenne trè klèrman, e pou nou kaklere chemè, pou nou kon koman pou nou fè e yon e lot, men ou pa kapab fè Yon ne sont pas faits l'autre là. Demain, on n'a pas commencé à parler. Je ne parle pas les principales en court terme. Mais le mois prochain, j'ai une invitation pour me faire parler sur la question économique. Non, l'autre bagaille qu'a fait à New York. Seulement, moi, je dis comme ça que ça me parle dit demain. C'est à partir de leçons qu'on m'apprend de la gestion économique. Et de la courte durée, c'est-à-dire que nos gouvernements de transition m'a fait différence entre la gestion économique de courte durée et la gestion économique de longue durée. M'a parlé plus de la courte durée, mais m'a défini tout, quels sont les objectifs de la longue durée. Je suis content de faire lire parce que et en Haïti, monsieur politicien, on parlait plus politique, on parlait de l'économie, alors que le problème fondamental est économique. Donc, je suis content. Et attendez, tout ça me donne des matins. Et moi, ouais, vraiment, les liens qui nous unissent, et ce sont des liens de bâtisseurs. Et je suis content. Je suis content. Merci. Merci. Si nous n'étions qu'à reproduire ça que tu as fait, moi, je pensais que pas aucune raison qui fait nous pas t'a reproduire, mais moins que nous t'a mis en évidence là-dedans, c'est justement source financement. Financement, t'es venu à l'époque de AID et de BID, nous t'es qu'à prendre col blanc, nous t'es qu'à prendre col, moi, t'es prendre, c'est un col BID, moi, t'es gagné, c'est pas de col AID, justement, pour pas t'a prendre aucun blocage. Bien que après, il y a eu un blocage, nous n'avons pas de renouveler le prêt, nous sommes obligés de nous fondre n'importe où, Prince, nous n'avons pas prêté, nous n'avons pas prêté dans la province. Et c'est pour ça, base, ça m'a dit, c'est qu'il faut que nous cherchions une source de financement qui est haïtien, local, diaspora et haïtien local. Parce qu'une fois que nous avons une source de financement, ça. Nous n'avons pas de problème que ni gouvernement, ni étranger, ni aucun monde vienne dire nous parler de la Congo. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les nouvelles mobilisées comme haïtiens locaux et haïtiens diaspora. Nous sommes obligés, comme tout le monde qui veut quitter pour Bocop, nous sommes obligés capables de remettre un état financier, nous sommes obligés capables de démontrer qu'on a géré comme là. Et c'est pour ça qu'il y a une première compétence et capacité pour nous développer, pour nous maîtriser, pour nous appliquer. Parce que des fois, on connaît, on comprend, mais nous pas appliquer, nous pas le faire. C'est gestion financière, pour nous toujours capables de montrer au monde, mais la financière, et que lui expliquer qui s'en a fait, pour lui ouais qui résultat nous bail, pour lui ouais qui côté lui. Donc c'est ça qui c'est l'élément pour moi qui est extrêmement important. Et pour nous vraiment retenir et mettre en évidence et en application. Ouais, en fait, nous avons une question ça déjà, vous avez avec. Pour l'instant,
pense que nous avons parlé côté que il y a une possibilité qui gagne pour un rapport entre une communauté canadienne avec les gens qui vivent en Haïti, par exemple, qui ont un domaine bien précis. Par exemple, nous dit économiquement, il y a moyen d'avoir un groupe au Canada, probablement qu'il y a une possibilité d'aider un groupe en Haïti, tout, faciliter ou investir dans un domaine quelconque, par exemple. Moi-même, la question que je me pose, c'est quelle possibilité qui gagne pour qu'un rapport qui fait, un rapport économique, entre gagnant-gagnant, ton groupe monde au Canada, avec un autre groupe monde qui vit en Haïti, quelle possibilité qui gagne pour un rapport dans ça. Par exemple, si je prends un exemple, nous disons que nous avons fait un investissement dans l'agriculture, ou tu as un groupe en Haïti, un groupe paysan, ou nous rassemblons terre ou mettons ensemble. On y a. Est-ce que quand on a un autre groupe, un groupe ici au Canada, qu'on y a qui peut mettre un corps ensemble, qu'on y a pour prendre terre, paysan ou même pour le travail, et puis pour le Canada, on y investit comme là, et qu'on y a en termes de production, là, nous produisons, qu'on y a, nous revendons, nous avons même pour produire, même nous exporter à l'étranger, nous vendons, et qu'on y a un rapport, qui vient de rapport comme là, qu'on y a, on partit retourner une maison, on partit une jeune monde qui est investi au Canada, c'est-à-dire qu'on a un rapport gagnant-gagnant entre les deux. Est-ce qu'il y a un groupe au Canada, nous avons rencontré, qu'on a pour faciliter un groupe en Haïti, pour nous regrouper paysans, pour un groupe de disponible, et laisser pour nous faire un investissement, et laisser nous prêcher, par exemple. C'est-à-dire, nous pas seulement dit, OK, mais ça nous a fait, qu'on a nous prêcher, par exemple. Est-ce qu'il y a une possibilité, ça, pour nous faire rapport ici, à un groupe au Canada, et qu'on a nous faciliter notre travail, un espace bien déterminé, et nous bâtir à ça comme exemple. OK, bon. Ouais, ou pas de poser la question, est-ce qu'il y a une possibilité? Si vous réfléchissez, vous allez dire, qui s'en a créé une possibilité? Si ça m'a bien, il faut faire gestion, il faut faire planification. Si vous montez, dans la terminologie économique, vous avez plein d'affaires. Si vous montez plein d'affaires, de vous présenter le monde qui vous bail comme blanc, ou le marché, la fête comme blanc, négocier, investir, vous investissez. Bon, ou bon avantage que vous investissez et puis vous avez dit aider le pays. Mais faut, lui-même pour le chita, il ne va pas comment ça marche en Haïti. Donc c'est vous qui vous faites plein d'affaires hein, pour expliquer comment le programme marche, pour faire projection financière. Parce que c'est tout problème de l'affaire. Et quel que soit savoir-faire, que ce soit organisable non lucratif, que c'est lucratif, que c'est business, que c'est une organisation spirituelle, philanthropique, n'importe qui soit fait, il faut qu'on comprenne l'affaire pour comment on va marcher, comment on va durer. Souvent, quand vous voulez bailler, puis s'il perd, il perd, s'il marche, il marche, c'est pas un problème, c'est une affaire. Mais souvent, quand vous voulez monter un bagage qui peut continuer pendant 10 ans, ou pas qu'à faire comme ça. Il faut préparer, il faut planifier, c'est ça, vous faites un plan d'affaires. Donc, au bras Chita, c'est ça, ma fait. Quand il y a la semaine avant-hier, ou bien hier midi, je vais présenter un premier plan d'affaires, ma fait pour un monde qui dit, là, mais investir en Haïti, tout le temps, investir, il perd du cobli, il perd du, il va faire, qui ça va faire? Eh bien, nous disons, OK, nous choisissons, après, on fait Moringa, il y a un monde qui dit, nous prenons Moringa, nous regardons Moringa, il y a des gens qui disent, qu'on fait Moringa et qu'on n'y a pas de quoi pour financer, ok, nous faisons plein d'affaires, nous étudions, les grands deals, besoin de 3 000, 39 500 dollars pour financer, labourer, planter, nettoyer, rigoler. Ensuite, il va faire comme ça avec des Moringa, il va faire produire pour le vendre, les vendre pour 75 000 dollars, pour ça, 80 000 dollars pour l'autre. Et puis nous faisons plein. Nous disons, mais ça va le faire, et puis nous présenter, et puis nous présenter n'importe qui, nous avons un copie, nous allons demander, on fait, oui, nous allons faire, nous avons un copie. Donc, quand il n'y a aucun problème, paysan, Dieu va le présenter. Alors, Dieu va le présenter, paysan, on va mettre ensemble, on ne pas dire paysan, d'accord, on ne pas dire blé, on ne pas dire qu'il y a pas, on va aller, on va le président, on va paysan, on a telle quantité, tel côté, tel genre, il y a tel bloc. On travaille pour faire. Bon investissement d'efforts pour faire, pour comprendre ça. Le film fait, toi, montre ici, au Montréal, on dit, je besoin 50 000 dollars pour faire ça. Je me dis, combien de temps là-dedans? Je me dis, monsieur, soit vous financez ma paye au 10% de l'intérêt, soit n'a pas de les barrières, en fait, même fait projection financière, mais combien de temps qui va faire, mais combien de temps là-dedans? J'ai regardé, qu'on y a chiffre, toujours qu'à faire chiffre, vous plaît. Qu'on y a expliqué, monsieur, pour qui ça chiffre, ça va le marché.
Parce que les pays sont qui, là, ils n'ont pas gagné après. Ils ne parlent pas de sécurité. Ils ont déjà vécu dans la sécurité. Ils ne parlent pas de. Ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà compris comment. Ok, ils parlent pour le payer. Et droit bail, ben, pour le passer. Pas de problème. Pour monsieur, on attend jusqu'à ce que les politiciens résolvent le problème. Ça. Mais lui, il vient pour le vivre là-dedans. Donc, il parle bon, quelle solution il va gagner pour le faire, parce qu'il dit là, il vit toujours. Il a besoin de manger, il a besoin de fonctionner. Pour mettre Mouchita là, pour mettre quoi pour aller. Ou c'est pas où parler de ça en Haïti pour gagner une kidnappe. Ou Chicago, ou hier, ou mettre des problèmes. C'est ça lié. Jusqu'à présent, tout le monde voulait. Léo Bayou, idée, puis il dit idée à belle, et puis tout le monde est pour faire idée à marcher, pour y avoir l'autre effort pour faire, à part bah idée. Mais il y a plusieurs monde qui racontent ça là. C'est idéal, bye. Mais n'importe qui monde qui chita ou n'importe quelle situation, il va gagner 200 000 idées, il va sortir le tête. C'est pas un problème, non, générer idée avec ça pour faire. Problème, non, c'est exécuter, bye. C'est présenter dans le détail. Et c'est ça, là. Tout le monde en Haïti, il va dire au chef, c'est au cap dirigé, il va l'autre, et puis l'autre monde a fait. Il va même pas comment le monde a fait. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'on vivait autour, parce que le monde a fait n'importe qui, ça, mais c'est sous contrôle, fait lui. Monsieur, il y a un problème, vous pouvez le faire. Si tout est 10 moules là, il dit, ah, madame, monsieur, pour qui ça me doit 10 moules, même pas. Monsieur dit, passez là, tout, j'en ai pas qui, j'en ai une fille. En fait, Oui, nous te posons une question générale. Nous te posons une question, même d'arriver, ou après l'amour, il y a peut-être 2 minutes, et ok. sous sort de l'intérêt, on C'est connaît ça. où Okay. passer de En ça. fait, nous te posons une question générale, mais pour même monter dans le cas particulier, c'est-à-dire que vous partez sur un plan. Là, nous disons un plan, là, nous déjà. Soit choisi, on va aller dans l'investissement, on va chercher un investisseur spécifique pour un domaine bien déterminé. Réponse, on va réponse qui plus ou moins n'a pas fermé, on parler dans le sens général. Témoin, aller dans un point spécifique. Par exemple, si nous avons, par exemple, l'agriculture à côté de Nadine, on a regroupé paysans. On prend une hypothèse côté déjà gagné, par exemple, pour Asakaote, nous réunis déjà. Qui, si on fait, ça n'a pas déjà en partie qu'on fait, ou son projet. Par exemple, nous avons un projet qui a commencé en 2018, côté que nous avons 340 000 dans l'État pour nous commencer un projet déjà. Je ne dis pas suite de manque de financement, puis l'autre problème, c'est bah, politique, etc. Projet a été campé. Mais il y a une possibilité que nous retournions le projet, ça, pour nous recommencer encore. C'est-à-dire pour l'instant, nous avons besoin de financement pour nous recommencer le projet, ça, ou du moins partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité, si tant que le Canada nous a rencontrés pour nous venir avec un projet, ça, moi personnellement, je fais partie de lui, et laisse ça pour nous présenter la veille, pour nous montrer tout faire, côté, toute possibilité gain, côté lui-même, nous-mêmes, tout avantage gain, leur investir avec le Panama, et nous-mêmes, tout avantage, tout y a passé, et nous gagner, et région, nos zones, côté, nous avons fait un projet, par exemple, comme en Souge, pour nous montrer, on commune, par exemple, gain, 42 000 qui commande à provoquer ça le développement endogène, côté que nous venons créer job. Par exemple, nous avons créé 6 000 jobs dans la commune en Souge. Et après 6 mois, si le projet a continué, nous avons arrivé jusqu'à créer jusqu'à 10 000 jobs après 6 mois, juste après 6 mois. Et qu'on y a, en termes de retombées, par exemple, on a carotté, on a planté 66 000 pieds melon solides, c'est des faits. Et là, ça, en termes de retombées, quantité pour vos capés, par exemple, 66 000 pieds melon pour cacao, ou déjà, après là, en termes de développement, je fais 5 000 papiers, ou déjà égal à 300 000 melons, et on mélange aujourd'hui en Haïti, ils vendent jusqu'à 150 $. C'est-à-dire, en termes de retombées, investissement en fait, dans cette première production, il y a possibilité pour déjà faire même 8 fois. C'est-à-dire que tout ça, comme possibilité. Ça, c'est en cas qu'on a discuté sur un projet. Mais c'est ça qui me pose une question générale, mais qu'on est entré dans 4 particuliers. Est-ce que donc, par exemple, pour Panouan, il y a une possibilité ça, nous avons 340 déjà disponibles et qu'on y a nous seulement besoin de financement, nous faisons un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a un rapport ça pour ça? Malheureux, répondre. Réponse, excusez-moi, ça nous espace même, c'est comme ça, montre que possibilité de gain pour nous avoir un groupe, nous chita, pour nous parler avec une personne. Vous n'avez pas répondu sur ça. Répondre sur ça. Réponse n'est pas fermée. Réponse n'est aussi ouverte que parlant. Okay. Ça veut dire que, pour comprendre le nombre de chiffres, ça va dire là, tu vas dire dans la bouche, on mettait sous papier ou écrit de côté. Bon, si tout écrit, si tout pour faire projection, comment ça va coûter, qui pour qui va le faire, ou bien toute possibilité, n'importe qui pour présenter le lien, puis la parole avec vous. Pas de groupe qui va le paraître, ou du matin, non. Tout le monde qui vient.
qui a envie d'investir. Si vous avez un peu de temps, vous n'êtes pas capable de chercher l'autre. Vous n'êtes pas capable de choisir entre Moringa avec Pordon. Il n'y a pas de problème. C'est pour moi, ma parole. Ok. Roman, justement, il y a une chambre de commerce ici. Il y a une chambre de commerce haïtienne. Il y a quatre chambres de commerce haïtiennes. Il y a une jeune chambre de commerce haïtienne. Il y a une chambre de commerce haïtienne canadienne. Il y a la chambre de commerce haïtienne en Canada. Tout le monde sait où il y a investi en Haïti. Mais tout, c'est des investisseurs qui par contre des détails. Il faut porter papier écrit déjà. Vous ne pouvez pas parler avec l'homme pour vous dire que vous avez fait ça, vous allez étudier. Non, non, vous avez dit, mon cher, depuis tout ça écrit, eh bien, ce n'est pas ça, vous dites, vous dites, mais il y a un plan d'affaires. Et est-ce que ma chère, n'importe qui nous joue, nous avons un plan d'affaires à lui. Et puis, je regarde, et puis, je dis, oh, mais mon cher, m'a fait ça, et puis, m'intéresse. Vous savez, tu peux nous l'avouer, non, parce que l'avouer n'importe côté, oui. Depuis plein d'affaires, on a fait une fête. C'est important. Vous voyez, aller, bah, investisseur, investisseur. Et là, ça, ou qu'à vivre un côté, bon, ou qu'à venir des structures d'organisation, ou qu'à venir financement, même bah, canadien. Et ici, plein d'affaires, ça a bien monté. Gain aide canadienne, gain aide internationale canadienne, c'est ça, la recherche. C'est plein d'affaires bien faites. Et un petit peu qui est intégré, ça aurait les coûts de filière, qui est intégré depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Parce que ce qu'on fait là, tout ce que tu fais, bon côté probablement le carbone lacune, c'est comme on va le vendre. Qui pouvoir l'achat en Haïti pour acheter tout ce qu'on va le produit là. Et si vous pas gagné, c'est mon site qui peut aller voir comment le carbone vendre ici. Les enfants, compléter plein d'affaires sur comment le carbone ici, qui va le vendre à lui. Nous pouvons voir marché pour lui déjà, même produit noté pour ses préférés, si nous avons un marché pour nous défendre. Bon, si vous avez un marché pour venir en Haïti, avec vous, nous avons un pouvoir d'achat pour venir en Haïti, vous pouvez le faire avec complet, vous n'avez pas de problème. Mais même si vous avez un Haïti local, vous avez un Haïti, vous avez un Haïti qui est comme ça, vous avez un problème. Vous avez un problème, monsieur, un peu. D'accord avec ça, M. Godfrey Dian, pour bien l'état financier. Mais, il y a un bagage qui est très important que vous avez fait. Ou besoin, il ne faut pas en faire seulement, ou besoin d'argent pour démarrer. Ou qu'à démarrer avec, on s'arrête, on parcelle de démonstration. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je connais monsieur qui est parlé par rapport à projet et en rouge là. Peut-être que, vu que vous avez un plan d'affaires, je connais une question posée. Est-ce que ou besoin organise ou bien ou lance son appel by tout haïtien par exemple qui t'avait saisi occasion et puis si son tout ça en Haïti considère tout ça qu'a fait en ce moment ou bien tout ça qui est pour faire c'est et c'est erreur par exemple haïtien grand gens les prend dans de l'eau chaude c'est ça plié lié chaudé. Il dit bon, projet bagala pas bon, mon yo mauvais, mon yo te mauvais idée. Tout projet l'a commencé, il doit fonctionner, il doit pas fonctionner. Donc est-ce que c'est organisé ou cherché, est-ce que c'est gouvernement canadien cherché ou bien c'est haïtien ou dit bon, étonné nous sommes groupe haïtien qui là, est-ce que c'est quelques haïtiens ou cherché un exemple de son projet ou besoin 50, 100 personnes, 200 à 1000 piastres, pas connaît $1 américain, peu importe ça lié pour commencer le projet, ou bien est-ce que son projet ou commencer la petite échelle de façon micro, donc vous faites déjà, et vous dites bon, vu qu'on fait déjà, ou réussit de façon à petite échelle, donc vous besoin d'aller à grande échelle, voilà combien COB ou besoin, donc combien haïtien qui a investi. Parce que quand tu as bagage à chercher COB, non mais. Et comme organisme comme international, moun sa, bon, m'a pas entrer dans ça, oublier ça, m'a dit. Donc,
Encore une fois, nous sommes allés chercher comme dans le monde. Encore une fois, comment nous avons utilisé Haïtien pareil ou entre nous-mêmes, comment nous avons fait ça si, sans pas passer par organisme qui existait déjà, sans passer par l'État, comment? C'est parce que nous sommes dans la diaspora, comment je pourrais dire? Efficace sous Haïti. OK. Alors, ça, c'est diaspora qui met ensemble, parce que nous sommes de l'autre côté, en Afrique. 15 Africains mettent ensemble, dans le côté où Sotia, ils font l'école. 15 l'autre font gens, ils font bagaille. Donc, est-ce que c'est juste ça, besoin de connaître. Est-ce que c'est gouvernement, parce que nous trois, tout le temps, dans le gouvernement canadien, peu importe, même si on a des subventions, c'est toujours mandé, à demander. Et pour que ça, c'est pas entre nous-mêmes. Parce que dans tout le monde qui ici, et Monsieur Paul la Tortue, l'autre qui a parlé, c'est moun qui comment je pourrais dire, nos expériences sur le terrain depuis 40 ans, 30 ans, bah, on est 50 ans, 70 ans, excusez-moi pour l'âge, nos expériences. Donc, moi-même, c'est quoi Samuel, comment nous-mêmes, c'est quoi ça? Nous sommes une génération des bâtisseurs. Des bâtisseurs, oui, c'est nous pour bâtir. C'est pas, non pas besoin de temps, mon a plongé à une somme de commerce, patati patata. Si on a pour faire, il y a fait. Mais nous-mêmes, chaque, dans pile groupe, en pile réunion qu'a fait, en pile parler qu'a fait, mais de façon tangible, efficace, pratico-pratique, comment nous avons utilisé haïtien que nous y a, qui c'est 10, qui c'est 15, qui c'est 20, pour nous faire bagaille. Donc c'est ça. D'accord. Yes, Bon, en termes de réponse, nous, tout ça déjà, c'est que pour moi-même, quand je dis à Haïti, il y a une situation côté que Haïtien fait pour prendre conscience. Je me dis prendre conscience, bien que c'est ça qui est arrivé en 2014, nous étions un groupe Haïtien, nous décidé de dire comment nous sommes parlé quand nous avons l'argent, et puis nous, tout ça fait dans la commune de pour un pauvre. Et nous avons vu un projet pour nous décrire 50 millionnaires chaque année. Et ça, nous discutons avec plusieurs noms là, M. Jean-Aubert, M. Renal, nous discutons ensemble, nous avons toujours partagé ensemble avec eux. Nous avons un groupe qui nous dit, nous allons investir encore en bas. Nous avons choisi à investir. Nous avons fait un investissement jusqu'à 1 300 000 $ déjà sur la commune. Côté que nous avons loué 360 carottes dans l'État, nous louons les terres, nous avons tout le papier légal, etc. Et nous avons même déjà commencé avec 3 puits. Nous avons fouillé 3 puits, nous avons commencé à exploiter jusqu'à ce que le gouvernement Jovenel Lavigny dit qu'il parle pas de projet à nommer nous. Comment? Parce que, puis par nous, les débalancer à mot, effectivement, nous avons travaillé ça, 16 heures de temps de travail. Et quand il y a le gouvernement Lavigny qui parle, mettez panneau soleil en dehors de nous-mêmes qui avons fait projet, juste venir mettre panneau soleil sans avoir besoin de questions, et puis aux 10 paysans, ils viennent mettre travail pour eux. C'est-à-dire, ça, le gouvernement vient de boycotter le projet à nommer nous, ils viennent mettre nous, faire nous pas de choix. Et ça nous oblige à quitter les paysans, vendre les paysans de l'Ogonia et projet à venir. C'est-à-dire que c'est ton projet, objectif projet qui s'est c'était que venir créer un emploi dans l'espace-là. Nous devons créer un emploi là-dedans. Comment nous avons créé un emploi? C'est haïtien, haïtien. Nous avons besoin de développement investi. Pour nous créer 10 000, 50 millionnaires, et ça, pour nous deviner un développement endogène qui t'a dit ça, on va créer 14 villages pour nous déplacer tout le monde du côté à Vigio, parce que quand il y a des gens qui vivent dans des milieux, l'espace à côté pour faire l'agriculture, on va déplacer le monde pour nous créer l'école, créer l'espace ou chose. Et puis, on essaie de voir nous gagner pour nous réhabiliter les voitures, etc. Et ça, pour nous venir avec une autre forme, façon pour nous vivre. Parce que nous avons une ville, nous avons en tête pour nous copier qui c'est la ville des neuf poses aux États-Unis. Et bien, je fais, j'en ai posé, je l'ai regardé, à développer une zone où elle est pour nous développer. Zone ça, Bonal personnellement, on a fait un développement endogène dans la commune de Souche. C'est ça que tes projets ont dans la réalité. Mais comme le gouvernement Jovenel Lavigny, boycotter les projets, on n'a pas de choix de faire dans une campagne. Aujourd'hui, nous avons une situation, nous avons une nécessité de nous recommencer et nous avons une possibilité pour nous gagner plusieurs groupes haïtiens qui sont dans tout le pays pour nous partager les projets. Alors, son projet qui est écrit, tout bas est fait, qui est déjà commencé à exécuter. Mais pour l'instant, nous avons une situation pour nous recommencer le travail. Et là, ça, moi, juste pour faire ouvert, pour faire une ça, montrer, est-ce qu'il y a une possibilité, je vous dis, entre Haïtiens Canada et Haïtiens, par exemple, parce que c'est Canada, je vous dis, ou du moins, ça, c'est tout le côté, qui a fini pour nous reprendre un projet, ça, et là, ça, on nous dit, OK, mais ça, qu'a fait.
Pour mettre l'élection en Haïti, pour pas ici qu'on est, nous pas une pièce côté dans le pays à nous parler, mais mon plan de développement pas une Haïti pour 10 ans ou 50 ans. Pour moi, nous trouver ça, il pas ridicule et stupide. Et c'est ça qui fait nous avons nécessité qu'on y a pour nous trouver, même haïtien, mais ça nous vaut, mais ça nous a fait. D'accord. OK. Bon, on va faire quelque chose ma cour. Bon. Premier bagage que moi, je pensais, c'est que puisque nous essayons de faire, puisque nous avons commencé, puisque nous avons commencé à marcher, mais que nous avons écouté d'une façon qu'on mettait là, qui est très simple, c'est-à-dire que nous mettait panneau solaire, puis on dit paysan, abonne-nous, puis il dit bon, écoutez, pour chez nous, normalement, ça va pas durer. Ça veut dire, premier bail, vous faites pour regarder comment on a évité que vous venez boycotter pour aucun autre moyen qui a existé. Et il faut expliquer ça. Parce que les gens qui vont mettre le problème, déjà, le pouvoir de vous pas d'éviter de faire des boycotter. Son problème, M. Rien okay. Donc, il faut expliquer comment nous allons contrecarrer boycotter ça. Et comprendre pour qui ça le marché. Que simplement parce que vous mettez des panneaux solaires et vous dites que vous prenez de l'eau et puis. Pour je vais tomber. Donc, bon problème là-dedans. Donc, il faut aller raffiner pour comprendre comment on appelle. C'est comme, et comme je dis, non, on va discuter pour une technique avec vous, non? Je m'en dis, qui ça vous préparer dans le dossier dans pour adjoindre? Et là, ça va venir n'importe qui, comment je vois, comment elle m'appelle, mais il sait ça, même lui-même, moi, ou avec des gens là, ou capable de présenter théorie. Et puis, qu'on y a peut-être, si on implique vraiment, il va venir discuter avant sur quelle solution il y aura. Donc, on gagne de niveau. C'est un projet bien fait pour simplement présenter des investisseurs pour le mettre comme, ou bien c'est pour qu'on y a son global. Est-ce qu'on va chercher des gens qui vont venir partenaire avec vous, qui vous permettent de compléter le projet à vous? Donc, on va vraiment bien préciser ça lié. Et puis, oui, on va demander n'importe qui, on va commencer à distribuer des groupes, mais on va faire une structure. Qui déjà paraît captant ça parce que les structures n'ont pas jamais habitué à recevoir ça, donc pas aucune structure paraît pour recevoir comme ça. Un groupe matin. Mon question, non, oui, docteur qui t'a dit pour te réponse bien rapidement après la parole. Ok, d'accord. Réponse docteur, non, excusez-moi. Mais ok, moi-même, c'est médecin, bien. Malheureusement, donc, toute médecine, même ces graines sont jeunes, toute préparation faite, c'était pour Haïti. Donc, 14 ans de médecine non-stop, des spécialités, des sous-spécialités, et donc, il fallait dire 20 ans même, donc, tout le diplôme, tu vas mettre en table, où est Haïti, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de niveau. Mon travail, c'est le travail académique, formation de jeunes médecins. Avec une compétence en chimie. Bon, m'arriver, rester quand même faire une petite base et de taper sur le nez. Donc, on m'a appelé à l'université pour enseigner. Et depuis 1990, j'étais étudiant des dimensions au niveau curriculum très bas. J'étais étudiant et moi, ben, retombé, ma jambe était à l'enseignement. Une des sociétés savantes, bon, je lâche ça, vous naïve. Et bon, malheureusement, bon, je vais avec un chapitre médecine, non? Et bon, les bruits allaient que, par écouter, vous n'utilisez vos connaissances du tout. Jusqu'à présent, c'est 20% de capacité médicale qu'a utilisée en Haïti, 4 pièges, c'est 20% seulement. Nous, étions là avec mon attachement viscéral à Gonaïve, attachement viscéral à la Timonide et à Haïti. Mais, l'être 15 ans de pratique médicale, par rien qu'à fait, là, 3-5 dernières années, on commençait pas changer, on fait une petite conversion vers l'autre Gonaïve. Donc, c'est ainsi que. Et tout le monde a pu attendre. Et nous prenons Paul dans ICG, nous prenons Daniel, on dit ça Daniel, bien, c'est nous gagnons. Et tout problème, c'est problème management. Voilà.
Management mal fait lui-même. Pour arriver dans la question de l'agriculture, du développement, il y a des gens qui travaillent. Moi, je suis tabonaï, il y a des structures qui ont des résultats. Surtout en agriculture. Et le monsieur de l'Ordès, l'ancien sénateur Jacques Sauveur, donc tu vas en négociation extraordinaire. Même pas d'accord avec la diaspora jusqu'à présent, c'est pas en pile, mais. C'est pas en pile. Moi, je suis derrière, nous sommes médecins, ne pas utiliser, sous-utiliser ma lentille. Mon fouillé est plus loin, malé technique et pratique. Mon fouillé est plus loin, on va commencer les terrains, en plein temps, que mon apprenant a acheté pour faire caille, nous donner l'espoir à frotter son zone très, très beau, à frotter la jambe et la même, gamer. Donc, l'aime dans les zones de sèche, avant que. J'aurais pu faire réhabiliter quelques pompiers. Et c'est ça que nous devons faire autour, pile, dans la plaine de Naïve, pour une pratique, ce n'est pas une l'eau. Moi, ma frère a dit, quoi, dans 5 ans, finalement, pas fouillé plus vieux, mais à l'âge à moi. Moi, commencer. Système solaire, moi, m'acheter pour moi. Là, fouillé de l'eau. Donc, ma en démonstration micro, comme elle a dit, pratique, t'es fou. Là, on fait maillot, on fait poireau, on met la jambe pour faire un poireau. On a un carreau de terre, c'est oui, limite. Marguerite a parlé avec une amie là, qui au projet Lyon, ça fait que j'ai raté. Vous pouvez planifier, ou si c'est sous ça, vous les. Des stratégies. Parce que parfois, on va mesurer monter pour on va avoir une démonstration qui pratique. Maintenant, pour me finir, ce que vous avez fait avec Paul il y a des années, hein, tu es en train de le faire. Qui est pratique et qui va avoir des résultats. Micro, je ne vais pas aller à mon pile de bagaille. Commencez petit. Et puis, ce que je fais, moi, compte. Ça fait un an, un an et demi, paysan en plein nom. Et au titre de là, même plein poireau pour paysan, je ne compte pour faire plein poireau. Puisque c'est plein nom, c'est là qu'il y a exercice pour marcher chaque matin, etc. Moi, regardez que le petit paysan, combien de vous besoin pour plein poireau, ça? Il en a besoin. Qu'est-ce que vous avez? Il va pas. Et dis-moi, planche derrière là, puis, ce que je fais, il n'y avait pas de problème. Actuellement, j'ai ça me jusqu'à 10 000 dollars ici, puis à l'autre. Donc, 50 cafés, par Kamaoli, par la banque, etc., mais ça m'a fait. Bon, 10 % comme la dîme, sous l'école, l'offre école. Dans mon compte, acheter plomb, dit l'eau a récolté. Les récoltes d'amont, on met 10 % sur compte. On vaut 10 000 dollars, on vaut 1 000 dollars. Ils ont dit, oh, on va faire travailler ça. Là, on est déjà à 7 paysans. Et je fais quoi en haut là, Jean-Paul Nouga là. Dans cette dégueu-là, c'est on se dégueu. Il y a côté, il y a pays. Et puis, pour me encore, de là, c'est le résultat. Bon, tout chiffre, tout résultat pratique. Mais qui est à l'échelle micro. Mais si je multiplie, comme il a dit, donc, question d'amibe, vous multipliez ça par 2, vous multipliez ça par 4, vous allez consolider le truc comme ça, et on donne des résultats extraordinaires. C'est juste un résultat. C'est ce qu'on dit, oui. Ce que nous ne nous adressons pas aux Haïtiens, nous nous adressons toujours à un étranger ou à quelqu'un d'autre ou à une organisation internationale qui n'a pas la même vision.
et qui ne va pas faire ça. Donc, ce sont ces expériences-là que pour nous documenter, puis pour nous montrer, mais déjà, on raconte ça, ça veut dire que tout le monde ici, c'est déjà connaît que si on a un côté, si on a un corps biologique, on a contacté ou et puis il y a psychologue, il y a canalisé le problème. Ouais. À l'échelle micro. Bon. Mais ça va devenir plus macro. Merci beaucoup. Nous sommes de la famille. Rigo, vous avez la parole là, pas trop long. On se va dans notre fin rencontre. Rigo, ouvrez le micro. Allô, Rigo? Rigo, qui n'est pas à l'écoute. Je vais déplacer. Rigo, qui est déplacé. L'image, une autre question. Monsieur, si un citoyen ou un individuel, par exemple, t'a voulu un petit capital ouvrir une banque, une petite banque de crédit, est-ce qu'il y a des possibilités ça? Qui chemine, qui Ok, connaît ça vous pour avez faire? bonne idée, ça, vous avez le bon compte de crédit, enregistrer, vous faites pas plein, les gonds comme l'argent de vous gagner, etc. Mais si vous voulez faire ça en individuel, ou bien en autre niveau, ou font association, ou bien font coopérative, et puis tout le monde est là-dedans, et puis, il fait. Ou bien, vous font coopérative à pays, sous pas, mais c'est notre affaire. Mais, il y a toute solution, ça, yo. Mais toute solution d'arriver à l'économie sociale, ou faire coopérative, ou faire association, ou faire tout bagaille, et puis vous mettez les gens ensemble. Moi, je n'ai pas obligé de mettre le corps pour l'entrée là-dedans. Il est simplement venu même là-dedans pour le bénéficier. Et pour même vous faire. Donc, tout ça, c'est plein d'ouverture que vous ne pouvez pas. Mais, l'on bon gestion. Parce que si vous commencez à faire, vous commencez à prendre un prêt, vous avez 10, vous avez 100, vous avez 1000, vous avez 2000, vous avez l'autre affaire. Il faut qu'à gérer. C'est tout. Mais nous avons tous les outils qu'il faut pour nous faire le développement. Mais dans l'offre de reproduction, il faut ouais, commercialisation. Parce que l'offre de reproduction, ou même quand nous avons un poids, est-ce que les paysans ne peuvent pas venir? Nous connaissons qu'il y a à peu près 40% de production agricole haïtienne qui est perdue. Parce qu'ils n'ont pas qu'à transporter le poids à l'autre côté. Il n'y a surtout pas qu'à faire transporter. Fait transformation dans la zone, qu'on y a la conserver, la c'est tout ça. Ça arrive nous avec Mangoua là. Eh bien, c'est tout ça. Après mango, après faire mango séché, après, yo vendu en pile, yo vendu en bien. Bon, un peu de technologie, c'est là que, si vous n'avez pas de technologie, on va avoir une diaspora qui a aidé ou, on va avoir une hypothèque qui a financé ou, on va avoir une diaspora qui a apporté un matériel, un équipement qui faut pas gagner. Toute section n'a pas de l'agriculture. Nous avons besoin d'un côté de l'Evelyne, bon, pas de mécanique. C'est un bœuf, il travaille. Bon, est-ce qu'on est capable d'attelage, etc. Il prend plus de temps, il prend plus de corps. Donc, c'est tout ça. Mais il faut que nous analysions, il faut que nous étudions. Pourquoi vous voulez nous qui voit venir dire, mais ça m'a mis, il va venir étudier vous. Si vous voulez, il va venir nous payer pour venir étudier. C'est tout essentiel. Coopération au niveau diaspora avec Haïti. Bon, par exemple, Allô? vous parlez en pile de société civile là, Allô? et qui ont un gros rôle pour jouer dans le développement du pays. L'expérience que vous faites en tant que membre de la société civile pour vous d'après Cyclone, dans différentes organisations qui sont ensemble pour penser à problème de là. Ça m'a manqué. Majorité société civile capondaise sont société civile contre le pouvoir et qui pas comprendre que société civile faut regarder le côté investissement. Il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui l'éducation, il y a des gens qui dans social. C'est comme si pour encore son monde qui dans et société civile ça arrive à Tiwan qui toujours dans la radio qui a critiqué le gouvernement mais pour regarder en termes d'investissement l'autre aspect de découvrir. Il n'y a pas de courant dans la société civile. Sont réunis, sont, comme tu as dit, réunis différentes organisations en tant que société civile. Là, il y a des problèmes. Nous, chiter ensemble, côté qu'il y a un problème commun, en nous, comment nous résoudre. Si c'est la pression que nous faisons sur le gouvernement, si c'est organisé, problème ça, il y a un. Et ça, c'est le problème où
parler tout, surtout planification, finance, gestion, thème ça y est absent dans l'esprit monde qui dit dans la société civile. C'est société civile pour vous mettre contre le gouvernement, pour dénoncer pour la radio, mais vous pas pour politique. Donc, ça me t'a fini pour me dire, nous prenons une position pour l'aspect ça, parce que vous avez des besoins faits dans la Tibonie pour encadrer les gens qui sont dans la banque, dans la coopérative, pour le d'accord, bien m'approcher. Plusieurs, mais vous parlez toujours pour comment monter niveau de formation et vous avez capacité ça. Tu as des possibilités depuis devant des programmes de formation, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour que notion de planification, finance, de gestion, permettent plus de monde en tant que société civile là, comprendre la base. Et bref, avec l'Institut provincial, nous avons mis des plateformes là, pour permettre que la formation ça fait. Nous faisons l'éducation, l'aspect ça, il est bon que nous travaillons avec nos plateformes pour permettre plusieurs. Au bref, pour travailler avec. Oui, par exemple, Pounia, le nord-est, le février à Wanamène, il a monté une structure, les Banque Missou, et qui c'est mutuelle, Banque Mutuelle Solidarité. Mais nous avons parlé avec eux jusqu'à présent, Pounia, fait gestion informatique. Et jusqu'à présent, c'est pour faire cahier, il y a noté, il y a déposé, il y a relevé, il y a fait le bail pour le rapport. Les gens ont un rapport financier, ils n'ont pas qu'à bail rapport financier. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qui est formation. Ensuite, fais attention. L'aime dit société civile, mais bon sens. L'aime dit en Haïti, secteur privé, ils ont l'autre sens. Mais secteur privé, société civile ne fait partie du secteur privé. Et si entrepreneur, paysan, c'est secteur privé, c'est pas comme ça. Donc, il y a toujours le secteur des affaires, grosses affaires, que vous considérez c'est le secteur privé, mais c'est pas vrai. On va parler du secteur privé, on va parler de tout le monde qui pas travaille dans l'État. Et c'est eux qui, pour producteurs, bon, pratique par le producteur, bon, pratique par l'employé, bon, pratique par le monde qui fait social, mais tout. Tout besoin gestion financière hein, quand même et planification quand même. Et à nous, Oui. Rigaud, après Rigaud, c'est vous-même. Dernière question à public là. Rigaud, c'est vous. Ok, finis, pardon. Moi, ce qui est arrivé en âme, c'est ce qui Ah, bonsoir, bonsoir. Tout à l'heure, Dr. Grinson dit au bagage, écoutez que lui dit, et diaspora, il est fatigué avec lui. Il y a toujours exprimé diaspora dans tout ce qui a passé en Haïti. Je voulais nous connaître que diaspora est une victime en pile. Le bâtiment en Haïti, il y a un pile de choses que vous voulez faire, mais vous n'avez pas eu bon pour passer. Je pense que Renald a investi en pile comme avec des marchands, vous n'avez eu. Pour que vous puissiez vous faire commerce, tout ça. Mais Renald a échoué. La donne, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le coup là. Pour réussir, il faut que vous soyez sur place. Mais si vous n'êtes pas sur place, pas sur les lieux pour que vous soyez capable de faire activité à marché, c'est sûr que vous n'êtes pas capable d'acheter à 100%. Mais ce n'est pas que Jasoua n'est pas venu faire. Ils ont envie de faire, ils ont envie de tourner dans le pays, ils ont envie de faire un pile de bagages. Mais ils ont exclu, même dans la cause des élections, tous bagages, ils n'ont pas participé dans rien. Vous comprenez, ce n'est pas que vous n'avez pas envie, mais que vous n'avez pas envie, madame. OK, ça, c'est une confrontation qui gagne en diaspora avec Haïtien en Haïti. D'un côté, Haïtien en Haïti a bien toléré pour une position ça. Mais il faut qu'on ait tout que diaspora a des fois, il prend des attitudes et il prend des actions qui. Pas qu'à bien accepter par ici en Haïti. Ou dit, nous voulons, ou avez des cas, ou avez construit Kayo en Haïti. Mais si vous construit Kayo en Haïti, ou perdez du lit, c'est parce que vous n'avez pas un minimum d'informations sur comment Haïti a fonctionné, pour qu'on n'ait pas qu'à lever faire ça, parce que vous avez des lois, vous avez des législations, vous avez des papiers pour faire ranger, vous avez des papiers. Vous fonctionnez même là, Haïti en Haïti, en ce genre le passé, ou à l'essayer, et comme dit. Dame qui est intervenue d'Haïti, si le marché ou vous voulez une fois, et puis c'est fini, vous ne pouvez pas recommencer. Donc, vous ne pouvez pas réessayer.
Ou pas regarder, même ça m'a dit, ou pas regarder pour qui sont qu'à construire un canal en Haïti et puis ouvrir. Ou bien on va avoir deux situations, on va avoir ces situations politiques mauvaises du mouvement, ces gouvernements, son chef, l'entrée, le point carreau, il t'apprendra à Haïtien, il t'apprendra à n'importe qui monde. Comme c'est au fait de la carrière, on va dans des élus. Ce n'est pas passé, c'est diaspora, il y a le c'est passé. C'est la situation que c'est ça, qu'après, et que c'est ça dans la vie. Donc ça, c'est une particularité. Mais récent, si vous avez des gens en Haïti, si vous avez des familles en Haïti, si vous fonctionnez bien avec lui, il a pris un Kailan, ou vous voyez, il faut faire Kailan et il va vous connaître. Il va vous venir sur quoi faire médical. Il y a des structures pour nous mettre. Il y a des relations pour nous faire. Je dis, Haïtien, vous avez dit nous, il faut que Haïtien en Haïti intervenir dans toute sa diaspora. La diaspora n'a pas qu'à faire les concevoir et puis le voir en Haïti, ou bien venir le faire faire. Parce qu'à ce moment, c'est un coup n'importe qui étranger qui vient. Ou pas l'obliger, en fait, le jour qu'on se voit, ou qu'on se voit en bas, ou avantage de situation paysan, parce qu'on remet géographique, on remet solaire, mais on ne va pas venir faire développement Haïti dans son frère. Ou venir pour arrêter en Haïti dans son soleil pour venir faire vacances. Et pour faire caillou, ou là, bon, on va venir comme on fait caillou en bas, comme blanc, avec caillou, et bien l'arrivée là, on va venir caillou. Et ça va pas déjà m'occuper de rien avant de faire caillou, de vous parler de caillou. Et parce que sans besoin, c'est pas ou aller en Haïti pour côté pour développer, c'est leur bouquet ou le prendre soleil ou aller en Haïti ou aller manger pour les courir, vous mangez dans le cas où fini, reste environnement qui va craser, ça va intéresser. Okay. Donc c'est ça qui peut changer. Il faut que c'est vraiment développement haïtien qu'on va envisager. On a parlé de médecine, de médecine. On a parlé de médecine. On prend l'autre, ça va être fini. T'es fini. Okay. On prend l'autre, on a fait pour en Haïti. Particulièrement en santé, on organise les DASH, cap offrir santé, cap offrir, mais ils vivent dans Port-au-Prince, ils vivent dans le cap, ils vont dans la province. Parce que ce n'est pas de moi. Là, tout, il faut que vous fassiez contact pour nous avec le commentaire. Moi-même, je serai avec vous pour nous la calmer en Haïti, c'est l'heure des malades, c'est dans le DASH pour vous. Voilà. Parce qu'il y a tout un mécanisme pour faire ça. Mais personne ne parle de vous. Nous avons l'autre groupe n'a pas parlé là. Ou bien un groupe qui aurait les MUSI en Haïti. Il y a 40 ans depuis en Haïti. Mais il y a 250 000 personnes qui là-dedans, qui mettent comme l'un contre les pannes. Mais il n'y a pas de moyen comme ça parce que j'ai géré l'autre relation. Ça, c'est une source de financement pour tout ça n'a pas parlé là. Tout le monde là, oui. C'est personne ne va pas chercher à parler à l'autre, mettre ensemble, ouais, comment vous faire. Et plein d'organisations qui fait ça. C'est ça, chaque monde veut déraper. Ah, c'est un coup si. Mais, je veux l'idée, c'est que je vais faire, je vais sauver Haïti, donc je vais descendre faire ça, je vais descendre, je vais venir pour faire ça, et puis tout le monde ne me choque pas de connaître rien, on l'a dit tout le temps, on ne va pas prendre rien, même venir faire ça. C'est comme ça que vous prenez, c'est comme ça que vous faites. C'est ça qui peut changer. Pour nous mettre nous tous ensemble, et puis nous mettre au même niveau, et puis sur quel niveau il faut, ou monter, ou nous sommes capables de travailler ensemble au même niveau. C'est pas besoin, nous pas besoin d'asseoir. Donc, vous voyez, il y a une équipe, il n'y a pas de problème. C'est mettre pour nous mettre pied à terre, il y a très bien. Malheureusement, il y a des tout. Ni Haïti, ni Sacré de Bois, plein de monde qui a fait vice. Oui, ça c'est clair, ça nous connaît. C'est-à-dire que cette diaspora n'a pas de pouvoir, ben écoute, mais c'est de l'homme qui dit ça, c'est mettre pied à terre. Okay. Ces gens-là, on va aller superficiel. Bien, quand on fait. Oui, c'est ça. Allez, pour Rigo. Rigo, bonsoir tout le monde. Nous, c'est Rigo Firmin. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me participer dans le forum aujourd'hui. Donc, on peut être n'importe où et on peut parler. On va l'autre monde à parler.
Donc, nous avons demandé à tout le monde de fermer le micro. Sauf Rigo. Sauf Rigo. Pas d'interférence. Fermez le micro, vous. OK. On va parler, Rigo. OK. Donc, question, par exemple, on va parler ici directement à professeur qui parle après professeur Daniel. Là, je vais passer au non-li. Donc, il t'a parlé d'une expérience qu'il était fait dans l'année 80. Dans l'année 80, il a travaillé sur un projet dans Gonaïve, où c'est une sorte de microcrédit qu'il a fait. Donc, il dit qu'il rentrait 100% l'argent. Donc, moi, une question par moi, est-ce que c'était un coup de chance de rentrer 100% l'argent ou bien est-ce que il a utilisé des mécanismes qui permettent que il rentre 100% l'argent? Donc, bref, c'est question ça. Donc, est-ce que il a utilisé un mécanisme qui permet de rentrer 100% l'argent? Parce que nous avons parlé de l'argent que nous pouvons prêter à des individus. Mais ce n'est pas le sens crédit traditionnel. Là, c'est crédit, c'est microcrédit. Donc, qui mécanisme qu'elle a utilisé pour lui rentrer l'argent à 100%. Donc, ça, c'est pour Dr. Paul. Si Dr. Paul là, est-ce que Paul a répondu? Alors, donc, Paul. Paul, voilà. OK. Bon, je vais répondre pour Paul, Rigo. Ou pas remarquer ça, Paul de dire. Monsieur de dire, son groupe paysan qui vient jouer. Et l'aide aux Louisans, c'est des groupes paysans qui sont rentrés dans le cadre de l'organisation avec. Non, c'était souvenance. Donc, paysan qui est venu et qui était dans le contexte souvenance, et les différents contours, c'est Erard Simon qui était chef souvenance, qui convoquait paysan qui vient mettre. Donc, en fait, c'est à une organisation établie que était en affaire, il était en affaire avec souvenance. Ce n'est pas 400 moun livre dans la rue que nous avons assez comme ça et vivement des problèmes. Donc là, tout, si on l'autre bail pour nous gagner, si on fait une structure et qu'on va prêter des individus, et c'est là, ça nous souhaite mentionner tout à l'heure, individus, ça va former dans la structure, dans une association, on fait un bagage pour capable de qui est sur eux et pour capable de connaître honnête avec si ils sont prêts au corps, est-ce qu'il y a pour mettre. Donc, ce n'est pas un bagage en l'air comme ça. C'est pour ça que nous avons fait, c'est pour ça que nous avons pas de garantie, nous avons pas de rien. Nous disons, nous venons, c'est des groupes structurés, c'est des groupes connus, c'est des groupes qui sont responsables, et puis nous faisons. Donc, c'est, mais c'est pas, ça n'a pas vrai dire qu'on a levé comme ça, ou pas 40 000 dollars, vous dites, m'a prêté, et puis nous débarquons sur vous, vous prêtez, et puis allez. Là, c'est presque sûr qu'on va dans le Zimbabwe. Mais pour l'autre bagage que vous voulez mentionner par rapport à la diaspora, en général, en Haïti, ouais, M. Tedjou, qui est-ce qui dit, le bail coup d'État, c'est Paul qui te dit, le bail coup d'État, parce que son corps qui sont tombés au gouvernement, paysan, on est les biomètres coup d'État, gouvernement, voilà, problème fini, le bail. C'est là encore son perception, rien dans vous. Comme l'État, comme gouvernement, c'est pas le ministre, c'est le président du moment. Donc, depuis le président, ça allait, il dit pas que M. Problème encore, parce que M. Barra va président encore. OK? Bon. Eh bien, pour le monde en Haïti, quel que soit le monde qui saute l'autre bois, qui vient porter un bail pour le faire, c'est le gouvernement, c'est blanc qui va le porter pour lui. Et si vous avez géré le problème, c'est comme si vous avez géré le problème, vous avez pris et vous avez profité sur vous. Donc, vous n'avez pas identifié que nous sommes des gens qui sont capables de vivre vraiment, à participer avec vous, à aider, à faire des compagnons. Pour vous, son compagnon, nous prenons un côté parce que nous ne prenons pas de compagnon pour nous donner la vie. C'est là, il y a beaucoup de perception, ça, à compréhension, ça, pour fonctionner comme ça avec nous. Okay, donc ça, c'est un bail pour nous établir, pour nous faire connaître. Non, c'est nous qui devons venir. C'est ça que je veux mettre les pieds à terre. Elle a dit qu'on mettait avec lui, qu'on connaisse où finir avec lui, que c'est où qu'a fait mes efforts. Autrement, pour monsieur son corps, ah, monsieur, si je suis dans son côté, je vais venir là, je vais nous faire un travail pour
Seul côté, seul côté, nous travaillons en Haïti. C'est dans Bendaï, parfois, l'État qu'on accompagne nous avec gendarmes. Oui. Pour nous paraître épurés, les paysans, vous faites parler avec eux. Disons que nous te prêtons encore. C'est ou bien nous venons mettre comme là, ou bien nous expliquer qui problème nous gagne, qui fait mal, nous ne pas payer. Non, pas de problème. C'est aussi ton besoin important, mais pour payer. Un point, Madame Roselyne Corville. C'est un plaisir, Madame Corville. Vous avez la parole. Merci, Renal. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'ICC à Montréal, au Canada. Moi, vraiment bien content pour me participer jeudi à la première conférence et m'a remercier tout le monde qui est intervenu déjà sur plusieurs points et m'a pris en pile, surtout sur l'intervention de M. Franz et ensuite Daniel. Donc, moi, vraiment apprendre en pile et moi, dis non merci pour ça. Ça fait longtemps que je me levais même pour me poser une question. Et peut-être que pas de quoi j'en m'aime, mais entre-temps, il y a un pile monde qui est en pile bagaille qui est en dit, comme presque pour étayer, ça m'a posé comme question. Mais quand même, moi, je voulais garder avec nous qui possibilité, pendant que diaspora ou bien a réuni deux générations yo, pour nous essayer de constituer une force pour soutenir Haïti dans le développement. Qui ça nous a fait parallèlement pour préparer l'esprit terrain, pour préparer Mounio en Haïti pour recevoir ça d'affaire? Parce que nous sommes dit en pile bagay là, qui fait très souvent Mounio pas recevoir très bien l'initiative Mounio, que l'individuel, que le collectif, très souvent Mounio pas recevoir le bien. Comment parallèlement nous a préparé l'esprit que, de société civile là? Dépendant de région côté nous voulons à investir, comment nous faire pour nous préparer l'esprit pour recevoir ça nous voulons côté. C'est vrai que nous avons pile engouement, nous avons pile intérêt, chaque monde voulait et investir d'une manière ou d'une autre, mais pendant que nous avons fait effort ça, monde pour qui nous travaillons, monde avec qui nous voulons travailler, nous n'avons pas au courant de ça nous faire. Nous juste arriver nal implanté ou bien nous venir nous dire n'a fait tel bagage grand pile bagage qui dit là déjà par rapport à ça m'a dit là, mais comment nous ka fait pour nous préparer l'esprit moun yo, parce que c'est yo nous voulons aider changement en Haïti, nous voulons porter, c'est ça nous gagner comme compétence, c'est ça nous gagner comme expérience, c'est ça nous gagner comme moyen nous voulons porter, mais comment n'a préparer accueil la réception, parce que nous connaît moun yo en Haïti, excusez-moi ça m'a dit là, yo parfois réfractaire, ils sont parfois pessimistes et ils ont développé une dépendance de la diaspora qui nous a dit ça en général, prend soin mon Haïti. Et tout ça qui vient de diaspora, ce sont des dons, des cadeaux. Et l'on ne vaut pas mal ou mérite mourir. Donc, comment on a fait? Comment on a fait pour nous changer mentalité ça? Permettre pour nous recevoir ça d'apothéa et ensemble nous unir nous pour nous faire changement, parce que diaspora pas qu'à faire pour contre lui sans monde qui souterrain pas impliqué. C'est là ma question. Ouais, mais c'est répondre sur ça. Par rapport à l'initiative. Première bagaille, nous croyons dans le réseautage. Réseautage à des organisations qui dans diaspora et avec des organisations qui en avaient. Nous garder qui va nous garder ensemble. Nous pas garder différence. Nous éviter toute zone de conflit. Nous chercher terrain côté nous gagner même vision de travail. Par exemple, gain on effort qu'a fait au niveau de la société civile gonaïve dans différentes actions qu'a mis sous pied et nous intervenu et là gain un mouvement de pôle de développement de la Tibonite que semaine dernière. Moi-même, Jean-Roubert, nous avons intervenu sur différents problèmes. Par exemple, sur des problèmes qui sont dans la Tibonite ou Gonaïves, naïve, qui solution à problème, à ensemble de problèmes. Ça. Ensuite, par exemple, au niveau de Deschapelles-Verrettes, nous avons CJT, c'est Centre Jeunesse d'Haïti. Centre d'inspiration. Il y a CIJ, Centre d'inspiration jeunesse.
qui ont un travail qui a fait dans la zone ça, en matière d'éducation, en matière agricole, côté partenariat à développer pour nous à partir de réseau nous gagner de spécialité, comment nous allons renforcer le travail qui a fait. Par exemple, dans la zone ça, il y a tout un travail, plusieurs groupes de paysans que nous rencontrons avec des structures sur place. Et qu'on pourrait voir comment on fait régénération caféière dans la zone arrivée jusqu'à Guavier et ensemble de plantations, tout comment on appelle les démonotrans, non seulement accompagner, mais circuit commercialisation, on va le garder. Parce que nous dit, nous pas arrêter à dépendre de aide en nous créer moyens pour nous créer moyens économiques. Nous, c'est ça, nous relève le guichet économique. Donc, gain du côté Léogane, Gressier, au niveau santé, nous avons qui est le GPSL, ensemble avec nous là, et il y a des vidéos, on a bien chance pour moi. Il y a même ces groupes professionnels sans limite. C'est des jeunes professionnels médecins qui ont problème santé dans la zone, qui a risqué vie. Semaine passée, c'est couru, parce que les bandits envahissent la zone. Il y a un homme qui manquait de mes souliers. Mais c'est des jeunes médecins infirmières qui ont travaillé pour comment ils ont accompagné. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, à travers l'initiative, nous connaissons la tout le travail là, nous, dans le réseautage. Et chaque côté nous passer, c'est découvrir qui l'autre monde qui a même idée sur l'affaire Haïti et comment nous travaillons ensemble pour nous faire la différence en attendant un jour, il y a un ensemble de gouvernements successifs qui éclairent, qui innovateurs, qui connaissent un partenariat. Parce que ça veut dire partenariat. PPP, partenariat public, privé, oui. Nous-mêmes, nous inventons le terme, c'est ce qu'on appelle partenariat public, PPO. Ça veut dire, les organisations qui existent et qui travaillent, qui, l'État, ça, que nous espérons, comme on dit, bon, où est-ce qu'on a foncé de domaine, où est-ce qu'on travaille, où c'est une expérience, et maintenant, zone ça, ma pine de l'avant pour permettre moins plus efficace. Ça, donc, nous allons arriver dans le niveau ça. Hein? Non, organisation. Ah, okay. Organisation. Oui. Les différentes organisations. Mais, donc, c'est un thème nouveau. Ok, d'accord. Et Roselyne, il y a un autre bagarre pour nous dire. Il y a un autre bagarre que nous insistons sur, c'est l'aspect éducation. Donc, on a regardé, Renaldi a parlé de ça, de réseau. Mais il y a un autre bagarre, c'est ça, nous, la communication. Nous faisons des émissions qui peuvent toucher un pile monde. Et je nous donne là, mais nous avons des partenariats avec des radios, des télévisions, côté où est passé des émissions, que nous faisons des émissions éducatives. Donc tout ça, c'est pour essayer de toucher le maximum de monde. Et quand on est là avec et syndicat aujourd'hui, hein, nous commençons à voir si nous avons établi un partenariat pour nous toucher plus de monde. Et nous connaissons le résultat, c'est l'éducation d'abord. Et nous allons voir si nous allons intervenir au niveau de l'école, yo, parce que y a des bases à mettre en place qu'on a même côté, on a gagné et on a mis au bon ordinateur. Donc, nous allons à l'école, nous allons en conférence avec un série de team, nous qui finissent il y a 2 semaines. Il y a par contre qui orientation, qui va y aller, qui va y avoir une tête, qui métier. Nous chita avec eux, nous discutons avec eux, nous expliquons nous-mêmes qui problème nous avons gagné. En tant que grand monde, les gens qui ont choisi le métier, ils ont même demandé tout, qui gagne qui gagne, on y a. Combien de métiers, nous-mêmes, on n'entend pas, monsieur l'ingénieur, docteur, etc. C'est peut-être ça, dans la salle, on regarde, tout le monde est là, il est là, on dit qu'il a un docteur, un ingénieur, ou un agronome, mais c'est ça que tu as comme métier. Alors que quand il y a un bon éventail de métiers, nous expliquons ça. Nous disons, mais qui sera choisi, etc. Donc, son travail de longue haleine, mais nous connaissons que le résultat, peut-être, nous devons agréer. Peut-être ça nous fait une rencontre intergénérationnelle, ça, yo. Pour avoir là, un petit garçon, un petit garçon, etc. Et nous, dans toute semaine, dans la team d'amis, on a fini avec présentation, yo, niveau de réussite que nous avons, comment nous avons fait, etc. Pour partager avec l'autre monde, pour que nous connaissions exactement mes stratégies, mes toutes les réserves. Et là, dernière étape par l'Italia. La Messie Conseil de Bagaille, une des bagailles qui est plus importante, c'est l'organisation, plan d'affaires, finances. Et ça, nous remarquons que Haïti, ce n'est pas un problème. Pas tant au niveau gouvernement, tant au niveau de conseil de monde, c'est cadet souci. Afin des questions, afin de 3 éléments clés pour gagner. Soit on va le faire,
qui qualité bagarre au besoin faire, mais qui temps à faire, qui quantité comme vous besoin pour faire, ça arrive à qui intéresse globalement et monde qui a fait du développement en Haïti. Et ça, c'est le travail qu'on a fait, qu'on a expliqué, qu'on a parlé, nous prenons des exemples des résultats qui gagnent dans le pays hein, et nous pensons que c'est là qu'on va aller et peut-être qu'on aura un résultat plus tard. Bon, moi, je t'en donne une idée, tout court. Maintenant, on recevoir appel du directeur de l'école professionnelle Gonaïve. Parce que mon partenariat nous fait développer entre lycée Fabien Frère et élèves dans l'école professionnelle, là, parce que nous faisons partie de l'association des anciens élèves, côté la préparer nous lycéens, côté ces élèves dans l'école professionnelle. Maintenant, c'est que mon gros problème qui est dans la Tibérie, nous commençons à développer. Poser problème à chercher, ça veut pas bon problème mécanicien. Qui, si les machines 2010, si les machines 2014, 2015, sont frais, si bon problème derrière. Donc, nous avons établi des contacts là pour nous vendre des mécaniciens à travers des salles multimédia que nous commençons à travailler sur le terrain pour gagner les coûts qui sont faits en ligne. Et puis, chaque année, est-ce que les professeurs sont spécialistes ça dans elle fait 2 ou 3 semaines. Maintenant, à regarder qui est mécanicien, qui est haïtien, qui est à l'école, qui a expérience, qui a aidé nous. Et nous, on l'autre bagage, nous ne pouvons pas parler là au sprint. Nous, qui avons une surprise pour laisser marcher, pour nous apparaître. Et si nous faisons ça, nous avons fait une différence dans la question mécanique. Nous avons formé plus de mécaniciens dans la théorie. Et le cas, c'est le cas. Donc, travail en pile, c'est que nous avons fait pèlerinage, nous avons cherché des ressources. Je dis à nous découvrir ici des cas et nous venons avec les ressources qui gagnent. Et en termes d'information, son centre d'information et de compétences et qui disposent pour travailler avec nous, donc son pas en avant nous. Et pendant que nous avons continué à rencontrer l'autre monde, pour que l'un nous tourne, c'est chercher nous venir chez Canada ou pays. Donc c'est ça qui mène nous ici. Donc travail en pire, patience, mais ces générations, c'est à Timoun. Petite, nous, c'est eux qui ont une responsabilité pour faire le travail là. Nous-mêmes, c'est la fondation que nous avons mis, donc c'est notre phase annuelle aussi. Donc, nous avons cette dernière intervention, Mme Rosine Corbière. Nous avons tout le monde qui a attendu nous là, voyez le link là-bas à l'autre monde. Demain, il y a des sujets très intéressants. Par exemple, Dr. Paul Apral permet de faire ce que je dis là, d'avoir laissé garder un gouvernement de transition. Qui ça le cas fait dans le période de qui action quand même. Parce que bon temps dans cette Haïti, ça nous relève la lampe d'Ali Baba. Tout le monde attend des bagages qui t'avaient dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, on va passer son lampe d'Ali Baba. Et puis, bah, là, vous avez la horde, et puis, bah, la fête automatiquement. Donc, maintenant, il y a une question qui touche, qui vraiment interpelle moi. Faut diaspora haïtienne changer le comportement oui. En fait, nous comprenons qu'il est difficile pour couper et approche mais nous avons l'autre pour même c'est pas la diaspora c'est pas la diaspora qui va changer c'est l'haïtien qui est haïtien en général qui s'attend dans qui s'attend donc demain et puis la bien on expérience avec Adner, Descent, yeah. Qui sont entrepreneurs ou agriculteurs, qui ont un gros travail à faire dans value, qui du côté de Tigua, qui ont venu partager avec nous. Et puis, il y a Agronome, c'est vrai, qui fait une bonne expérience dans le coin de Mouquet. Malheureusement, question banditiste, qui fait abandonner, écraser Femni. Donc, il y a une expérience qu'on va le faire demain. Donc, nous avons tout le monde rendez-vous, c'est même là, même là, 10 heures, nous avons nous et invité. Ça, c'est important, inviter l'autre monde. Parce que c'est pas haïtien à poser, c'est solution à chercher. Donc, plus vous entendez, plus vous intervenez, ça permet de nous avancer. Et merci tout le monde. Merci beaucoup. Et nous, premièrement, nous remercier les responsables de syndicat. M. Daniel et France, professeur France, pour accueil là, pour support et offrir du travail avec nous. Donc, ça allait nous tout là, droit au cœur. Et nous remercions tout le monde qui a suivi nous, qui
Fè sakrifis la, pou pase tout tan sa. Attendez nous, nous nous merci, nous nous rendez-vous demain à 10h. Oui, nous avons dit un dernier bagage, nous avons dit, le cadre, toute action n'a pas là, et toute collaboration n'a pas là. Mais invite tout le monde à utiliser le site Sidika, qui c'est CIDIHCA.com. Nous mettons monté sous l'île, nous avons une base de données, côté nous mettons toute information, nous avons que nous avons consulté, que nous avons voir tout ça, et si nous avons n'importe quel problème, nous avons à partir de site, nous écrit nous, et puis nous avons répondu, nous avons encadré nous, parce que c'est une institution qui ouvre pour tout le monde, et nous avons fait tout le monde service ça. Merci beaucoup. Merci, attention. Et merci, Dr. Paul. Demain matin, bien bonheur, la fois vers vous. À la prochaine. Merci beaucoup.